Oui, bien-aimés, nous gain pour nous rendre compte sous façon nous utiliser temps nous. Nous gain pour nous rendre compte sous façon nous dépenser l'argent nous. Nous gain pour nous rendre compte sous façon nous prendre soin famille nous. Nous gain pour nous rendre compte sous façon nous kembe témoignage. Moi, emboîter le pas avec révérend nous, pasteur nous, qui était dimanche dernier présenté un sermon sur question gestion. Et le Seigneur m'était sous cœur, moi, pas contre pour qui ça, pour me retourner sous question ça, dans un autre aspect dans l'île. Et titre message, moi, matin, mes bien-aimés, c'est Béaba de la gérance chrétienne. Béaba de la gérance chrétienne. Sous pas veut dire gérance ou qu'a dit gestion. Sous pas veut dire gestion ou qu'a dit intendance. Passage ça, c'est un passage qu'on connaît très bien, nous pas pral éterniser pour nous rentrer dans détail contexte li. Cependant, faut me rappeler quand même le Seigneur Jésus lit dans contexte ça à la fin de son ministère sur terre. C'est moment li monter Jérusalem une dernière fois pour la disciple. Ces moments, la paléo de l'avènement du royaume de Dieu. Cependant, l'avènement lui semblait plus proche parce que il pourrait aller à Jérusalem, il pourrait aller vers la mort. Il y a une séparation qui pourrait le faire entre lui-même et les disciples. La raconte, il y a un temps, le peuple a encore, il y a pour l'aller. Et il y a pour le retourner. Et parabole ça, parabole talent, c'est une façon pour l'expliquer. Yo. Pendant qu'il a prêté tant de temps, il a pour le faire. Vous rappelez dans Luc chapitre 19, Luc rapportait parabole ça à l'autre gens. Il rapportait que maître là qui confiait talent à serviteur Lio, il pourrait aller faire un long voyage. Donc, le roi bien comprendre le passage là, il est question du départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pourrait souffrir à la croix, qui vient pour mourir, pour ressusciter, et qui pourrait aller, pour aller dans le ciel vers papal, mais qui vient pour lui retourner. Et parabole, ça se dit, l'abdi disciple, mais qui attitude, mais qui comportement nous devons gagner en attendant retour moins sur terre, en attendant m'vin prendre nous pour nous avec moi. La parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, li plein avec conseil sous question comment pour gérer ressources que bon Dieu confie. Me connais où c'est monde qui ancré dans la parole, moi pas pral prendre trop de temps. Même t'a remis quand même rappeler trois principes fondamentaux dans question gestion ou gérance chrétienne. Nous tout qui là moi supposé nous habitué tendez yo déjà. Mais on rappelle pas déranger personne. Premier principe dans la gestion chrétienne des ressources de Dieu. C'est pour qu'on ait que c'est bon Dieu qui crée et c'est bon Dieu qui met toute bagaille. Premier principe, c'est bon Dieu qui crée toute bagaille et c'est lui-même qui met toute bagaille. L'on appelait récit Genèse, l'on lit dans Genèse chapitre 1er. Le premier verset de Genèse nous dit, au commencement Dieu créa. Il y a l'autre version qui dit, lorsque bon Dieu t'a créé. Mais quelle que soit la version utilisée, hein, l'Ibaye même l'idée, hein, au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. Bon Dieu créait toute bagaille. Le bon Dieu créait toute bagaille. Il créait à partir de rien. Et ça, c'est absolument important pour moi-même avec vous comprendre, parce que souvent, nous mélanger création à invention. On dit, parce que si bon Dieu créait toute bagaille, machine, n'entend longtemps pas de machine, bon Dieu pas créer machine. Machine, c'est ça nous appeler une invention, c'est pas une création. Une création, son bagay ou fait à partir de rien, ou créer ex nihilo, j'en ai dit non mouan. Ça veut dire en d'autres termes, c'est capacité ou ta gagné pour seulement déclarer et sort déclarer en l'ivini à l'existence. Est-ce que l'église avait? Pas gen personne sous terre ça. Pas besoin qu'on rend ni non. Pas gen personne qui a créé ou qui a inventé mon pas qu'a créé. Qui sa invention yé?
Invention, c'est prendre ou prendre ça bon Dieu créé yo, ou combiner yo d'une certaine manière pour répondre à un besoin que on fait face. Le haut a créé machine à vapeur, le train, les trains à vapeur en Europe. Monsieur, tu as déjà gagné toute matière disponible dans la nature. Faire yo pral utiliser, c'est pas yo que t'es créé. Toute bagaille t'est déjà abdormi dans la nature. Yo pral fait combinaison bagaille ça yo, yon façon pour yo ka répondre à besoin de déplacement à vitesse. Donc faut que nous clair sur ça, gagne invention, gagne création. Et pas gagne personne être humain qui capable créer parce que encore une fois ou créer à partir de rien. Alors gagne deux catégories moun dans société, ou peut-être trois, mais surtout deux, qui ont certaines capacités pour le créer, mais qui sont très limitées. Et je vais vous faire une référence rapide, c'est pasteur et c'est juge. Les pasteurs et les juges, des fois, très rarement, ils sont dans une situation ça côté ils ont créé une réalité. Sous ces monde qui est habituel dans le mariage, bon côté dans le mariage, quand entend des pasteurs a dit, je vous déclare mari et femme. Automatiquement, pasteur a prononcé parole ça, li vini yon réalité. Son forme de création. Cependant, faut m'attirer attention sur le fait, bien aimé. Le pasteur en dit ça, gen pile la deo qui comprend le soin pour le dire. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. En d'autres termes, pouvoir pour déclarer mari et femme. Non, c'est pas un pouvoir pasteur investi pour peut-être parler. Son pouvoir société en Bali pour le mener type de célébration, ça. Est-ce que l'église avait? Ça, c'est pour le pasteur. Grand deuxième catégorie, moun, c'est juge. Juge, non? Le li non tribunal, li ka prend une décision et automatiquement décision en prend, li vini en réalité. Si juge en décide, on va faire 20 ans en prison. En mon père du liberté, li créé une réalité. Si juge en décide, c'est 10 ans, on va faire 10 ans, li créé une réalité. Cependant, remarquez, même dans deux cas, ça yo, c'est toujours parce que société a bayo pouvoir pour faire ça. Parole yo vin gen valeur parce que société a conféré yo pouvoir. Cependant, mes bien-aimés, le bon Dieu a créé le ciel et la terre, tout ça que la donne, mon Dieu pas prendre pouvoir, non, mais. Personne. Bon Dieu, c'est seul monde qui déclarait par sa propre autorité, par son propre pouvoir, ce qu'il dit arrive à l'existence. Par contre, vous réalisez, l'acte de création, c'est 8 décrets, bon Dieu prend. 8 décrets. Lorsqu'on titan, on va le replonger dans le récit de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Aussi simple que ça. Bon Dieu parlait, ça le dit en lyrie. C'est seul bon Dieu qui créait, nous inventait, nous ordonnait les choses de la nature. Mais c'est seul bon Dieu qui créait. Premier principe donc, pour m'aller rapide, c'est bon Dieu qui créait toute bagaille et c'est lui-même qui met toute bagaille. Deuxième principe, tout ça ou gagne, c'est Jérôme ap géré le pouillon titan, les papou. Tout ça ou gagne, c'est Jérôme ap géré le pouillon titan. Ou seulement espérer l'orphine fait ti coup de poil là la donne ou espérer moi-même avec vous c'est ça nous espérer le n'a quitté nous pas pral quitter le bail les ingrats nous espérer c'est bail petite nous n'a passé et nous espérer petite nous le bral et tout l'a passé le bail petite li ainsi de suite mais la réalité demeure tout ça nous gagne c'est gérer n'a gérer le pour yon ti temps. Belle cravate so gen. C'est j'ai ou géré le pont titan. Kay so relé ki pam nan pasteur m fin payer le net ou m bagan ken down pou m bay solo comme fin payer le cash. Ou ap géré le pouyon. Priez seulement pour l'or fin fait tout sacrifice ça, c'est pas bay les ingro quitter le. Parce que ça kon rive tout. Ou ap géré le pouyon titan. Tout ça ou ap joui de terre, yo pas pour ou, ou là seulement ou ap géré. M'te raconte histoire nom ça qui te pensé il te ka aller dans l'au-delà avec ça le posséder. Lire les madame ni, il dit madame ni, chérie l'homme mouri mais soit fait nous grand pile corps, m'bon portion l'argent pour déjà. Ou ap prend
l'argent pam nan ou prend l'argent mettez l'en bas tête moi pour m'aller dans ce cœur là avec parce que me travaille pour lui me besoin l'argent me te racontons ça que t'est arrivé monsieur pas vrai madame nan dit monsieur pas gain problème m'a boire l'argent pour aller dans ce cœur là avec et puis effectivement dame nan levé la banque li kon bel chèque pour monsieur li levé zorier et ce cœur là li fourré chèque là en bas ce cœur là. Ou pas qu'à dire pas bon l'argent parce qu'on gagne chèque là quand on aller on va check it out. À malin et demi. Nous t'es venu tout nu, n'a retourner. Deuxième principe gestion, c'est comprendre réalité ça. Nous pas de venir à rien, nous pas praler à rien. C'est gérer n'a gérer pour un petit temps. Troisième principe gestion, nous toutes la doit connaître. C'est que gon le bon Dieu a demandé nous compte sous façon nous te gérer ça te confier nous. Nous gagnons pour nous rendre compte. Parce que ressources ça c'est pas pour oublier. Yo confie li pour gérer. Moun qui confie li pour gérer, là gon le labre l'eau pour le mando rendre li compte de gestion te fait de ça te confie là. Oui, bien-aimé. Nous gain pour nous rendre compte sous façon nous utiliser temps nous. Nous gain pour nous rendre compte sous façon nous dépenser l'argent nous. Nous gain pour nous rendre compte sous façon nous prend soin famille nous. Nous gain pour nous rendre compte sous façon nous kembe témoignage nous. Tout ça bon Dieu investit dans nous, mettez dans nous, gon jou ka privé nous gain pour nous rendre compte de tout bagaille. Gon jou pour rendre compte. Et laissez-moi vous d'emblée dans examen ça. Question en ce pape, est-ce qu'on te convine l'église le dimanche? Question en ce pral, sam te confio là, est-ce qu'on te fidèle dans gestion? Est-ce qu'on te fidèle dans façon te kembel, gérel? Est-ce qu'on te fidèle dans façon te conduit pour le faire gloire moins éclater? Et dépendamment de façon te fait, dans l'examen ça pape gagne deux réponses, c'est deux réponses possibles. C'est soit ou gagne notre réussite, soit ou gagne notre échec. C'est soit attendez, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je vais te confier beaucoup en dans la joie de ton maître. Ou bien ou attendez, méchant et paresseux serviteur. Parole de Dieu claire. Deux notes possibles. Soit tu es bien géré, soit tu es mal géré. Lorsqu'on comprend, bien aimé, premier principe ça y est dans question gestion chrétienne. On nous regarde ça qui a passé dans le texte dans Matthieu rapidement. Maintenant, lire les trois serviteurs. Li bayon premier 5 talents. Sous ces monde qui versait dans la parole de Dieu, on va comprendre yon talent li équivaut. Bon, commentateur yo yon ti gens divergé sous question 1. Il y a un commentateur qui dit yon talent équivaut à 3 mois salaire de base. Sous ces moun kap travail, c'est 3 mois salaire, yon talent, c'est ça l'équivaut. Il y a l'autre commentateur qui parlait de 15 années de salaire. En tout cas, c'est yon valeur, yon talent représenté en monnaie. Maintenant, le premier serviteur là, il confie 5 talents. Remarquez, l'on appelé passage là, maintenant, pas bay serviteur a en ken instruction. Li pas dit, moins bon 5 talents, mais ça va le faire avec. Ou pas grand quelle instruction qui baille. T'as semblé serviteur qui t'en connaît ça pour le faire avec talent. On a retourné sur point ça qui est très important dans le texte là. Li relè deuxième serviteur, li confie lui-même 2 talents. Et li relè un troisième serviteur, li confie un talent. Premier serviteur, li te confié 5 talents. Aussitôt, monsieur allait. Li travail talent met l'an te confie l'an et de travail ça li fait talent tourner 5 l'autre talent en plus. Donc au départ li te gagne 5 kounya li vin ajouter 5 sous ça li te gagne. Deuxième serviteur en fait même bagaille aussitôt qu'il recevoit talent li al travail li joigne 2 talents en plus. Au lieu de gagner 2 kounya li vin gagne 4. Troisième serviteur comment ça, monsieur fait? Monsieur prend talent, monsieur cherche un côté, cherche un vieux pelle, coton pelle qu'a caché, là le fou en tout.
Les fouilles tout les prend talent, les fouilles serrer l'embatin. M'a pensé imaginer qualité mal monsieur bay tête li pour fouiller tout ça, pour serrer talent. L'homme nous pas veut faire talent travail pour bon Dieu, on a besoin toute raison pour pas faire le travail. Monsieur serrer talent. Se trouve que serviteur c'est mettre l'en retourner. Mettre l'en qu'on y a là, c'est moment pour rendre compte. Mettre l'en commencer faire appel. Un tel, cinq talents présentés devant. Et puis, serviteur Savigny avec joie, Seigneur, ou te confié cinq. Moi fais le travail, moi joigne cinq lots. Mais ça, moi fais. Mes fruits talons te confié mieux. Et maintenant répondre, vini, bon et fidèle serviteur. Rentrez dans joie maintenant, ou te fidèle dans petit bagay, moi pral confio, pi gros bagay. Serviteur numéro deux, maître. Ou te confie deux talents, moi travaille, moi fais le bail deux autres talents. Vini, bon et fidèle serviteur, ou te fidèle dans petit bagay, moi pral confio, puis gros bagay, rentrez dans la joie, mais tout. Troisième serviteur, maître, on connaît son homme qui méchant, ou son homme qui dû, ou récolté quand on pas planté, ou ramassé quand on pas semé. L'obam talent, moi t'es peur. Moi prends talent, mal caché l'embatté. M'a besoin d'en compte avec vous, mais talent là, prends le nom même. Et mettre l'en prêt dit, méchant et paresseux serviteur. Sous parole, ça même m'a jugé. Et m'a remis l'église comprendre logique qui est dans le texte là. Si ou dit, mettre l'en li prend côté le pas si mais. Li ramasser côté le pas planté. Soit t'a fait, comme li ba ouan, ou t'a le mette l'on côté pour t'a fait intérêt. C'est ça, oui, mettre l'abdil. Bon, si soit dit, c'est vrai. Et nous parlons, c'est pas vrai. Mais si soit dit, même si soit t'a dit, c'est vrai, logiquement, soit t'a dû faire, c'est prendre l'argent ça, comme m'ba ouan, al mette l'en banque pour banque l'en faire le travail, même si ou même ou pas t'a travaillé. Mais au moins, moi-même, moi t'a joué na femme avec intérêt. Ce n'est pas ça le t'es fait. Je n'ai pas pris matin pour m'expliquer. Il y a quatre raisons essentiellement. Peut-être qu'il y a plus. Mais il y a quatre choses dans le texte. Je découvre qu'il y a des gens qui sont infidèles dans sa bon Dieu pour gérer. Est-ce que l'église a fait? Quatre raisons qui font des gens qui sont infidèles dans sa bon Dieu pour gérer pour lui. Première raison qui fait qu'il y a des gens infidèles. C'est ignorance ou bien une mauvaise théologie ou pas comprendre les choses de Dieu ou mal approcher les choses de Dieu. Premier problème, serviteur, ça t'a gagné, il était ignoré que ça le recevoir dans mes bon Dieu, hein, il recevoir seulement par grâce. Il pas songer que il pas gagné un droit pour le recevoir même grain de talent le recevoir. C'est yon grâce bon Dieu fait qui fait le bal grain talent li bali. L'oublié que au départ li pas gagné rien du tout parce que toute bagay qui existait c'est pour bon Dieu yoyé. Li té non situation, li pensait tête li tant qu'un monde qui té gain droit. Et lorsqu'un monde qui pensait ou gain droit gagné, n'en prend l'or ingrat comme ça. Donc, première bagaille, il était ignoré, ou bien il était une très mauvaise théologie. Tendez bien ça, il dit maintenant, il dit, maître, où sont les gens qui dû, ou récolter quand on n'a pas planté, ou ramasser quand on n'a pas semé. Il y a une mauvaise théologie de sa Seigneur en yé. Non, le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu de grâce et de bonté. Dieu de grâce et de bonté, remarquez, la parole de Dieu dit, bon Dieu créé toute bagaille. Bon Dieu baille tout monde qui vive, même accès à toute salle créée. Qu'on c'est monde qui connaît bon Dieu, qu'on c'est monde qui pas connaît bon Dieu. C'est ça la parole, ou bien théologien Aurélé, la grâce universelle. Tout monde qui vive, qu'on accepte, qu'on pas accepte, bon Dieu. Qu'on croit, qu'on pas croit, ou bien même accès à toute ressource, bon Dieu créé. Ça fait la parole de Dieu nous dit, bon Dieu fait la pluie tomber, ni sous bon,
ni sous méchant, soleil à lever, ni sous monde qui juste, ni sous monde qui injuste. Bon Dieu bail grâce li souverainement et toute créature bénéficie de grâce bon Dieu. Pas gen monde qui gagne rien parce que yo mérité, c'est bon Dieu qui bail. Théologie monsieur t'es tête en bas. Monsieur t'es pensé que li t'es gagne droit pour le t'es gagne plus. C'est premier bagaille qui ka fort infidèle dans sa bon Dieu confié ou l'on penser ou t'es mérité gagner plus. Est-ce que l'église avait l'ignorance, mauvaise théologie. Deuxième élément qui ka fort infidèle dans sa bon Dieu confié ou c'est comparaison. L'on commence à comparer ça ou gagner avec ça l'autre monde gagner. L'on commence à sentir pour qui ça lui-même lui gagne tout ça, moi-même moi gagne ça seulement. L'on commence à comparer où tu dois gagner plus, ou commence à tomber dans faire réflexion, bon Dieu, on ti jan injuste, gade tout ça le bail frère ça, gade ti cal ça le ban moins. Dans comparaison, ou commence à rentrer dans infidélité. Plus soit comparer la vous à la vie l'autre monde, c'est plus soit inactif dans vie bon Dieu baou. Ah, l'église pas comprendre. Plus soit comparer vie ou à vie l'autre monde, c'est plus soit rentrer dans l'ingratitude. Plus soit comparer la vous à vie l'autre monde ou rentrer dans négligence, c'est plus soit inactif dans vie bon Dieu baou. Deuxième élément qui a conduit à l'infidélité dans gestion sa bon Dieu baou, c'est comparer. Troisième bagaille qui a conduit dans l'infidélité, c'est excuse. Serviteur infidèle l'a dit, moi connais ton homme qui dit, moi connais ou ramasser quand on pas de ciment. Il cherchait toute qualité excuse jusqu'à ce que le rivon côté le dit, moi connais et m'te peur. Combien d'en nous qui gampi l'excuse pour ne pas faire ça, bon Dieu, m'a dit nous faire. Combien d'entre nous qui toujours inventer raison? Remarquez que serviteur là, il connaît ça il te doit faire. Problème là c'est pas connaît, il pas connaît. Non, il connaît que il te doit faire comme en travail. Mais l'a chercher excuse. On connaît une signature excuse moi même avec ou yo. Une signature peut-être gain l'autre. C'est bon Dieu contre tout bagage. De bois mon n'a pas levé fond bagaille, Seigneur compte toute bagaille. Seigneur wekem ou compte toute bagaille. Bon Dieu compte toute bagaille mais bon Dieu pas accepter toute bagaille. Bon Dieu compte toute bagaille mais bon Dieu pas accepter toute bagaille. Gen deux bagaille c'est excuse yo ye, faut qu'on suspende faire excuse pour dire Seigneur, moi voulais changer, aide-moi changer. Serviteur a commencé par excuse. Vous connaissez Satan, le diable, les remet ça. De vous, c'est mon cap par excuse. Satan, bon raison, là, bon plus excuse toujours. Monsieur, fort dans ça. Vous connaissez ça le fait, l'orgue est en sous voix pour par excuse. Plus soit par excuse, c'est plus ou gain excuse. Serviteur infidèle, non, il évoque la peur, bien aimé. Oui, bon Dieu comprend, nous avons peur. Mais bon Dieu pas accepter la peur tant qu'on excuse. D'ailleurs, c'est ça que la parole de Dieu, Yuna Bagali, toujours a insisté. Jésus lui-même a dit aux disciples, pas peur, pas crainte, pas peur, pas crainte, pas peur, pas crainte. Les connons ont peur, mais ils pas excusé la peur. Au quatrième élément, pour nous aller en petit genre rapide, qui fait que nous tombons dans l'infidélité, c'est la paresse. La paresse. C'est vite à prendre talent, bon Dieu, Bali, hein. Li fouré en bas terre. Li fouré un gros tou. Li mette. Laissez-moi vous bien aimer, pas gen aucun potentiel bon Dieu mettons dans le monde. Pas gen aucun talent, pas gen aucun don bon Dieu bay en monde cap jamais développer si moun sa li pas reçu. Ça fait grand pile moun ki kon riche mais cap vivre dans la pauvreté. Ou bien doit riche mais on va vivre dans la pauvreté pour qui ça parce que tout simplement ou c'est un monde qui paresseux. Paresseux. Il y a des monde qui gagne qui compte gagner de promesses en pile potentiel
Mais parce que le son monde qui paresseux, il pas jamais arrivé à atteindre potentiel livré. Mon envie de vivre une vie misérable. Alors que l'on a regardé dans vie monde ça on dit mais ça qu'a passé. Monde ça il était gain tout moyen pour réussir, il était gain tout moyen pour développer potentiel mon Dieu Bali. Eh bien, on connaît paresse, c'est une bagaille qui faut perdu toute grâce avec bénédiction, bon Dieu, l'on paresseux. Gon bagaille pour accomplir dans vous, faut qu'on gagne discipline. Gon bagaille pour accomplir dans vous, faut qu'on prend engagement. Ça, quotidiennement, m'a travaille sous lui. Gon bagaille pour arriver là-dedans, faut qu'on engage tes tout pour quitter distraction derrière. Est-ce que l'église avait? Ennemi en pavlel. Parce que ennemi en connaît qui potentiel, bon Dieu, mettez dans roue. Donc, serviteur infidèle, tu as gagné toute raison ça yo. Li bay tèt li raison ça yo, essayo conduire dans infidélité. Li rete dans ignorance, la comparer tèt li ak l'autre monde, la présenter excuse et puis il était un serviteur paresseux. M'fin explique pour qui ça yon moun ka tombe dans infidélité, dans gestion sa bon Dieu confié ou. Bon m'dou deux mots. Sous comment ou kavin infidèle. Comment ou infidèle. Première façon ou infidèle, trois raisons rapidement, bien-aimé. C'est par la négligence. Ou infidèle, l'on négligent. Est-ce que l'église avait? Ou infidèle, l'on négligent. Ou qu'on est gagné de monde, c'est eux même qui enterré des fois propre koyo. Quoi bon Dieu bayo, c'est eux même qui enterré encore. Parce que tout simplement, yo pas prend soin même propre koyo. C'est pas dans l'église, on va parler pour ici, mais gagne de monde 24 sur 24 c'est McDonald's elle m'a manger. Toute vie graisse qui frit pendant 3 4 jours, 5 semaines, c'est ça seulement yo maintenant koyo. Déjà moun nan pa pral fouti marcher. Même si il y a un gros soleil chaud pour le tal font si souhait pour le quitter poli joindre petit trou pour expirer il pas pral marcher mais il chita l'a manger McDo dans 2 3 4 semaines vente là commence à tomber ou penser son vente tomber l'argent non son vente tomber maladie graisse son vente tomber McDo négligence fait mon n'en pas prendre même soin comme bon Dieu balia. Et puis il y a de belles expressions, oui. Et des gonstom, des envers la dedans, il y aurait les lazy boy, c'est ça. Ou quand on aller ou acheter un gros canapé ou chita devant télévision seulement, c'est ça seulement fait. Bref coca, bref soda, order comment on relait au pizza, that's all you do. Cheeseburger toute qualité. L'huile en fruit depuis 3 semaines mais bâton, les bon en bouche et yo connent comment pour faire le bon en bouche ouvre. Yo fait le bon en bouchou, mais son poison lié pour corps. Négligence. Il y a des monde qui néglige famille, ou néglige madame, ou néglige petit tout. Et puis, il y a une excuse qui vient à négligence. Non? Pendant que nous néglige famille, on a dit, mais tout ça m'a fait, c'est pour nous, m'a fait. Je ne compte pas excuser ça tout. Je ne sais pas tout, donc it doesn't work with me. Tout ça m'a fait, c'est pour famille. Ok, soit fait pour famille. Attendez ça, madame Nabdou. L'imando pour un petit jean là, puis souvent. Est-ce qu'on a fait un petit arrangement au moins pour la puis souvent? Puisque c'est pour famille, on a fait. Attendez sa famille, on a demandé. Font-il effort? Si c'est vrai, tout sacrifice, c'est pour famille. Ou qu'on son concept extraordinaire. M'a fait pour famille, mais. Avec propre thème pam, c'est moi qui décide comment m'appeler des familles. Soit appeler des, tendez comment moi vlo aider. Qui t'aime dou comment pour aider? Qui t'aime dou comment pour aider? Si c'est vrai, c'est moi appeler. Le monde qui est tellement négligent, il a négligé même propre famille. Travail matin, midi, soir, et bien autre, c'est pour famille. Peut-être que c'est vrai, mais tendez, si moi j'ai besoin présence ou dans caille là tout. Ce n'est pas travail seulement. Travail là bon, il permet aux gens moyens. Mais si vous faites tout travail, ça ou pas gagner tant petit mounio, c'est mon deuil qui va lever pour vous. Et tout
bagay sa wap fè travay lan, se menm moun deyò sa k pral joui de li ankon. Parce que ti moun nan ap get an gaye, li pa leve nan ling, li get an gaye, li pa menm ka jere so pral kite pou li an, parce que ou pa gen tan pou apren li jere. Négligence. Il y a moun ki néglige menm intelligence bon Dieu ba yo. Yo toujours pas agi par émotion. Même intelligence bon Dieu ba li an, li néglige l. Il y a moun ki remet bagay pap padap, moi même tout ça. Depuis yo ba yon ti booster là, j'ai fermé. Y a pote bourré parce que gon l'argent tout fait, tout paré. Yo pas réfléchi avant, bagay ça, li gen li gon ti bagay fou bladan, li pas clair, li obscur. Intelligence yo an, yo prend yo ploy en bazel yo, moun nan di yo pote vini. Bay, ou après se voit cette fois la valeur, sans intelligence, yon pote bourré. Ou qu'on négligeant, même dans façon utiliser intelligence, bon Dieu, barou. Émotion, c'est lui qui prend le dessus. Négligence, c'est première façon ou infidèle. Deuxième façon infidèle, bien aimé, c'est abus. Façon ou abuser ressources bon Dieu yo. Ou abuser ressources bon Dieu yo, l'on font très mauvaise utilisation de sa bon Dieu confié yo. Nous utiliser ressources bon Dieu yo, pourquoi peut-être pas nous seulement. Moun autour de nous mettre grand goût, nous pas ouais ça. Moun nan mettre tout ouni, nous pas bal réglant rien pour nous. Ressources dans ces affaires, pas nous. C'est peut-être pas nous seulement satisfaits. Je connais pas parler avec l'église missionnaire parce que je connais nous faire témoignage nous aller loin. Mais on ne sait jamais. Si tu as quelqu'un qui monde cap traîner pied, qui t'aime dire la parole de Dieu en vie du matin, sort gain, il pas pour seulement. Il pour qu'a aider l'autre qui pas gain, pas gain. Par contre, vous remarquez, depuis dans l'Ancien Testament, il y a trois catégories moun. Bon Dieu, ba Israël, ordre formel pour le prendre soin moun sa yo. La veuve, l'orphelin et l'étranger. De telle sorte que les récoltes qu'a fait dans le jardin en Israël, bon Dieu, ba Israël, l'ordre, toujours quitter quelques bagailles sous champ pour moun sa yo qui pas gagné. L'orphelin fait récolte là, yo même y a passé dans le champ. Y a pris un petit reste qui était. Côté quitté pour yo. Ou abuser ressources bon Dieu, le c'est tête ou seulement ouais ou pas jamais aider personne. Ou abuser, parce que c'est pas pour ça bon Dieu te baroul. Le bon Dieu baroul, li baroul pour longer main, bah ça qui pas gain. M'a péterniser sous lui, parce que ou même ou fait ça bien. Mais bon, l'autre aspect non abus en tout, oui. L'on utilise ressources bon Dieu baroul mal, par exemple, la sexualité. Sexualité sont bon bagay, bon Dieu bay. Mais li bay li nan yon contexte pour utiliser dans le mariage. L'on utilise en dehors du mariage ou abuser yon ressource que bon Dieu bay. Manger. Oh, manger. Moi même manger. M'ba trop gros, mais moi même manger. Madame Mouen ka di nou sa, moi même manger. Et manger son parti de plaisir. Moi, je prends somme pour manger. C'est ça que je ne finirai pas, mais vie à l'américaine dans trop. Vie à l'américaine dans c'est cap coupe. Cap coupe. Cap coupe. Vous avez l'impression de manger. Hein? Si vous n'êtes pas capable de manger du tout, vous n'êtes pas capable de manger. Non, pour moi, manger son plaisir. Il faut me prendre somme pour manger des salades là, mettre des bons petits abouk à la donne. Faites-y à faire bien pour manger. C'est un plaisir ça, vous pouvez jouer pendant ici. Ou pas qu'on a cap coupe tout le temps. Son plaisir lié. Bon Dieu crée le pour. Regardez, Jean, bon Dieu prend soin pour le faire, Tizabou, calme, mettre belle type peau sous lui. En de bagalan, il était propre. Soit on pressé comme ça. Prends son pour manger. Prends son pour manger. Son parti de plaisir. Si on aspect me barre maintenant vie États-Unis, c'est ça. Nous vînons tant que robot. C'est travail, travail, travail. Nous ne jouons rien de ça, bon Dieu, ba nous.
ou abuser manger bon Dieu, l'on manger ou manger mal. Bon Dieu pas te faire manger en boule dérangeau ou tellement mal manger, manger en vin dérangeau. Bien-aimé, li ka paraît ton bagage qui funny. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on rend compte qui soin bon Dieu fait pour le créer? Et chaque le bon Dieu fin créer un bagaille, il a posé signature derrière, il dit ça le fait en lui. Il est bon. Ou font mauvais usage de lui. Et c'est ça, il aurait les abusé sa bon Dieu bail. Deuxième façon négligent ou bien ou infidèle, c'est leur abuser de sa bon Dieu bail. Troisième façon ou infidèle, c'est leur dévaluer sa bon Dieu bail. Ou dévaluer ressources bon Dieu yo. Leur pas utiliser ressources bon Dieu bail yo pour royaume bon Dieu avancer. Ou utiliser yo seulement dans bagaille qui sans valeur ou pas investi dans bagaille qui gagne valeur éternelle. Ou dévaluer ou retirer valeur ressources bon Dieu ba oua. Pas pour ici, hein. Nous n'avons pas de problème ça. Mais il y a des gens qui manicure, pédicure, teinture, chevelure, toute la journée, toute la nuit, mais laissez le temps pour vous offrir dans l'église, vous n'avez jamais de ou gen kob pour faire toute l'autre affaire. D'ailleurs, ou gon salon de coiffure, c'est chaque week-end ou la donne. Yo gen tan konnen ou même ou son client spécial parce que c'est ou qui fait business dans le marché chaque samedi ou toujours là. Mais le dimanche, les pauvres font de l'enfer. Ou le plus souvent, blié te gen offrande qui te kon fait dans le service là. Ou dévaluer ressources bon Dieu yo, parce qu'on utilise yo uniquement sous bagay qui sans valeur. Zong so al koubo, ou pa remarque le toujours poussé. Ok, don't get me wrong. M'gage un problème. Bon, je dis l'huile. M'gage un problème. Ouais, Paul, ça le capite m'a problème. Si c'est ton bagage qui te gagne valeur ça, ou t'as fait une fois pour toutes, l'étape tout retel. La plaie de pousser retourner ou dépenser trop comme la donne. M'pas gagne problème pour faire le bel, m'remen le bel tout. Mais gon kont arrive, faut qu'on garde, est-ce que dans budget m'fait un li équilibré entre ça bon Dieu bam nan, est-ce que m'bay bon Dieu la donne plus ou bien est-ce que m'plus dépenser dans bagage qui inutile. Dévaluer ou dévaluer ressources bon Dieu yo. Bon Dieu confie en ressources, yon façon pour investir dans bagay qui gagne valeur éternelle ou prendre toute ressource bon Dieu ou investir dans bagay presque terre à terre. Qui investissement important fait dans travail bon Dieu? Qui aspect dans le royaume bon Dieu qui a avancé parce que ou même ou te campo prend sa sous responsabilité pour le avancer. Et là, nous ne parlons pas seulement de l'argent, nous parlons de temps, nous parlons de tout ça bon Dieu baou comme talent. Qui sont investis qui fait que si aspect ça dans le royaume bon Dieu continue à avancer cotoyant, c'est grâce à ça ou même ou fait, en partie. Vous connaissez un gros bagage qui est dans l'église? Gain un groupe monde qui dit toujours dans même pour nous retourner dans comparaison de toute façon moi même pas monde qui bien cob dans l'église hein il y a monde qui gain plus cob passé il y a aider l'église quand même donc on gain 80% monde qui chita croiser bois a garder 20% monde qui prend soin l'église comme si 20% ça c'est pour eux seulement bon Dieu fait encore une fois pas parler pour ici hein. Et même j'avoue, m'entend des témoignages, pasteur nous toujours ba nous,
nous contribuons dans l'église, nous. Mais peut-être que y a une brebis galeuse. Faut qu'on comprenne que ressources, bon Dieu, confions aux bien-aimés. C'est pour parole, bon Dieu, travail, bon Dieu, avancé. Nous connaissons une histoire, peut-être, nomme ça, qui était non travail, et puis, je t'ai touché 50 000 dollars par an en revenu, salaire. Et puis, monsieur priait pour bon Dieu changer revenu, augmenter salaire, lit. Et puis, monsieur, qu'on y a dans les barres des 120 000. Monsieur, le jeune pasteur, il dit, pasteur, mon petit problème, priez pour moi. Pasteur dit, qui problème ou serviteur? Il dit, pasteur, où songe l'homme dès qu'on a touché 50 000? Dès qu'on baille offrande moins en pile, dès qu'on baille dîme. Mais depuis l'homme dans 120 000, dans pasteur, il vit une plus difficile. Priez pour moi, pour bon Dieu faire. Toujours continuer bail, j'en me déconne bail avant. Pasteur a dit qu'on s'est venu, on a prié. Pasteur a levé vol, dit Seigneur, m'a demandé au frère Joe, retournez-le dans ça les 50 000 ans. Parce que au moins, dans 50 000 ans, il te connaît de l'église. Li. Ressources que nous gagnons, bien-aimés, nous ne gagnons pas pour peut-être pas nous. C'est d'évaluer ça, bon Dieu, ben nous, le nous pas investi dans le travail, bon Dieu. Est-ce que l'église avait? M'a fini, bien-aimé. M'a vraiment regardé dans le dernier aspect passage. L'on fidèle dans la gestion, ça, bon Dieu, ben où? Gagne une double récompense. L'on fidèle dans la ressource, bon Dieu, confiée, gagne une double récompense. Premièrement, l'on fidèle. Bon Dieu, multiplier ça le baou. Question, c'est pas qui combien te gagne au départ. Question, c'est sort gagne, qui sort fait avec. Parce que c'est ça que nous avons, bon Dieu, pour le multiplier. Pour le sortir dans une, pour l'aller dans deux. Pour le sortir dans deux, pour l'aller dans trois. Pour le sortir dans trois, pour l'aller dans cinq. Question qui est importante, c'est pas qui valeur, qui quantité au gagne. Question, c'est comment utiliser le peu que bon Dieu confie là. Parce que c'est bon Dieu qu'on multiplie. Gain bénédiction, l'or fidèle à ça, bon Dieu confie, on les multiplie. Et deuxième bagaille qui est important, l'or fidèle à ça, bon Dieu confie. Ou qu'on qui parole ou prêle tende, non seulement ça, bon Dieu, on l'a multiplié, ou obtend des paroles, entre dans la joie de ton maître. Ça, ça t'a coûté au second paquet de bagaille ou pas gain cœur content. Ou pas quelqu'un qu'on tombe, même car Jules même. Parce que, ou pas fidèle. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais rappeler nous toutes. Commencez sous moi-même, finis sous l'autre. Bon Dieu prend très au sérieux les ressources que le confie nous. Et il voulait nous utiliser les ressources pour travailler, pour avancer. Bon Dieu voulait nous utiliser les ressources pour le développer dans nous, ça le mettre dans nous. Pas abuser ça, bon Dieu, barou. Pas négliger ça, bon Dieu, barou. Pas chercher excuse pour pas faire ça, bon Dieu, mando fait. Ou connaître ça, bon Dieu, mando fait. Dis Seigneur, moi, v'lais utiliser toute ressource ou yo bien. Pas oublier, c'est yon péché. Le bon Dieu met au potentiel nan ou pas développer potentiel là. C'est volonté, bon Dieu, pour potentiel qui nan ou en li développer. Dans prière, ou dit Seigneur, nous devons être potentiellement développé. Apprends-moi utiliser ressources moi au bien. Apprends-moi investir dans bagaille qui a une valeur éternelle. C'est comme ça, ma ka connaît qui ça veut dire rentrer dans la joie du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous bien-aimés et que le Seigneur vous bénisse.